Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. J'ai besoin pour vous transpirer. Ça, c'est la transpiration prophétique. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons recommander ce moment entre les mains de Dieu. Seigneur Jésus, l'Éternel des armées, toi qui es Dieu fidèle en toutes choses, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, toi qui règne d'éternité en éternité. Seigneur Jésus, toi qui as rassemblé ce peuple charmant, ce peuple heureux, ce peuple béni que tu as choisi parmi les nations, parmi les tribus, pour le mettre à part et de les préparer pour l'avènement et de les préparer pour le retour. Seigneur Jésus, nous sommes ici depuis jeudi pour mettre le feu du réveil dans la ville de Kotel. Je voudrais que Kotel soit visité par ta grande lumière. Que Kotel soit éclairé. Que Kotel reçoive l'évangile authentique du salut. Que Kotel reçoive la prédication et la repentance. Que Kotel reçoive la prédication, la sainte doctrine. Que Kotel reçoive la prédication et la sanctification totale. Que Kotel reçoive la prédication du dépouillement. Et c'est dans ce cas que nous sommes ici. Et cette ville Kotel nous a reçu Jésus. Jésus est en train de régner dans ces lieux, il règne dans cette ville. Seigneur Jésus, voici aujourd'hui ce culte spécial, ce culte dit en ton honneur que nous sommes venus dans ton sanctuaire pour se prosterner devant toi, pour t'exalter, pour te glorifier, pour t'honorer et pour te révéler, toi l'excellent révérend. Seigneur Jésus, voici le moment venu où tu veux que ton peuple soit édifié sur le rudiment de la sainte doctrine, où tu veux que ton peuple soit édifié, où tu veux que ton peuple soit exalté, que ton peuple soit consolidé, que ton peuple, une fois, soit bâti sur la sainte doctrine. Que ton peuple soit instruit, je veux que ton peuple soit restauré, je veux que ton peuple soit éclairé, je veux que ton peuple soit uni, je veux que ton peuple soit bâti sur le fondement des apôtres et des prophètes. Seigneur, je te prie de les disposer. Seigneur, je te prie de disposer ce moment. Tout ce que l'ennemi peut lever pour troubler ce moment, dans ce moment, est mis au détail de nous au nom de Jésus. Tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur Jésus est mis au détail de nous au nom de Jésus. Tout ce qui contrecarre à ta volonté est mis au détail de nous au nom de Jésus. Je te prie que ta volonté soit faite en ce lieu. Que je sois effacé et que seul le Saint-Esprit soit vu. Seigneur, je te remets cette instance à toi. Viens et nous conduis. Viens et nous enseigne. Viens et nous approuve. Merci. Que toute la gloire, que tout le monde revienne. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Acclame très très fort. Je suis très content de te voir. Amen. Amen. Sois la bienvenue dans la sainte doctrine. Amen. Dis à ton voisin, sois le bienvenu dans la sainte doctrine. Amen.
Sois le bienvenu dans la sainte doctrine. Peuple de Dieu, vous êtes un peuple élu. Amen. Vous êtes un peuple élu, un sacerdoce royal. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ vous a choisi parmi tant d'autres pour vous mettre à part. Amen. C'est une grâce. Amen. C'est une grâce. Ce n'est pas parce que tu es fort ou tu dépasses les hommes. Si tu te retrouves dans la sainte doctrine pour connaître la vérité de la sainte doctrine, c'est parce que le Seigneur t'a aimé. Il t'a fait grâce. Amen. Et il t'a montré le chemin de la vie éternelle. Comment tu peux marcher pour y arriver. Amen. Vous voyez, dans la vie de l'homme, il y a beaucoup de personnes. Amen. Mais le Seigneur t'a ciblé. Il t'a ciblé. Il t'a ciblé. Dans ta famille. Peut-être dans ta famille, vous êtes nombreux. Amen. Mais c'est toi le seul qui a choisi pour te mettre à part. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Et tu es le primeur. Le primeur des yeux de Dieu. Amen. Et les yeux de Dieu sont sur toi. Et il fera aussi de toi une source de bénédiction pour beaucoup de personnes. Amen. Il fait de toi une sentinelle, une source de bénédiction, non seulement pour ta famille biologique, laquelle tu es sorti, et aussi pour d'autres personnes. Amen. Parce que c'est ça. Et le Seigneur fera aussi de toi une source ou des solutions pour beaucoup de personnes. Amen. Vous voyez, je n'ai pas y a parcouru toute la ville quand même. Mais je sais que dans la vie de Côte, il y en a beaucoup qui cherchent Dieu. Il y en a beaucoup qui cherchent le vrai Dieu. Amen. Mais d'autres se sont trompés, d'autres se sont retrouvés dans des milieux où on ne leur parlait pas de ce vrai Dieu. On peut même leur parler du vrai Dieu, mais la manière de les expliquer en profondeur, ça manque. Il y a beaucoup qui cherchent Dieu, mais ils sont tombés sur des personnes qui ne leur parlent pas à des choses spirituelles, même des choses profondes pour les préparer pour le ciel. Amen. Si nous sommes en vie et que nous sommes dans le Seigneur, n'est-ce pas, c'est pour aller au ciel, non? Et c'est pour aller au ciel. On ne peut pas aussi comme ça s'élever, aller au ciel, non? Amen. Pour aller au ciel, il y a une préparation. Amen. Il y a une préparation. Quand vous voyez, quand Dieu avait sorti Israël d'Égypte, ce n'était pas en un jour comme ça, il y a une préparation. Amen. Avant de le faire sortir, pour la destination, c'était la terre promise qui est Canaan. Amen. Et notre Canaan, notre terre promise sur le ciel, sur le paradis. Pour entrer au paradis, il y a une préparation. Et cette préparation, ça se fait au moment où nous sommes encore en vie. Amen. Vous voyez, le Seigneur a mis des conditions devant vous. Vous avez accepté le Seigneur Jésus. Vous êtes repenti. Vous avez renoncé à vous-même. Vous avez renoncé au vieil homme. Vous avez renoncé aux œuvres infructueuses des ténèbres. Vous avez abandonné toutes ces choses. Et vous avez reçu le baptême au nom du Seigneur Jésus. Vous êtes passé aux œuvres du baptême. Amen. Et le Seigneur vous a mis ensemble. Et il vous a mis ensemble. Il met encore d'autres conditions devant vous. Amen. Et tu peux entrer au ciel. Il faut être saint. Il faut se sanctifier tous les jours. Amen. Et les deux jours, trois jours que nous venons de passer, les hommes de Dieu, au travers eux, le Seigneur vous a enseigné beaucoup de choses. Amen. Vous avez et
édifié sur le fondement des apôtres. Vous avez reçu les enseignements. Vous avez reçu les enseignements sur le salut, sur le baptême, sur la délivrance. Amen. Vous avez reçu des enseignements sur la sanctification également. Amen. Même les règles de sainteté que l'homme de Dieu vient d'oublier. Même si ça, les règles de sainteté, tu mets ça en pratique, tu peux entrer au ciel. Amen. Tu peux entrer au ciel. Dans les règles de sainteté, il y avait l'unité. Il y avait l'ordre et la discipline. Il nous enseigne comment nous devons se comporter dans la maison de Dieu. Comment nous devons se comporter dehors. Dans le règne de sainteté, nous avons reçu pour être dans la maison de Dieu. Il faut être correct. Il faut être décent. Il faut se débrouiller. De ce qui est moderne. Amen. Et je vais réitérer encore. Si tu es ici et que tu sais que, selon ce que tu as reçu concernant le dépouillement, et que tu sais qu'il y a encore ces choses chez toi, il faut les jeter. Ou il faut les dépouiller. Amen. Ou si tu as les barbes, ou si tu as les bourrettes, ou les chaînettes, garde chez toi. Ou si tu as le péric, ou si tu as le mèche, ou même le parfum. Amen. Garde chez toi. Il faut les jeter ou les brûler. Amen. C'est très important. Il ne faut pas que l'ennemi trouve une faille et que l'on t'accuse. Ou que les sorciers puissent passer par là parce que vous avez les interdits dans votre maison. Amen. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Cet témoignage m'a vraiment beaucoup touché. Je ne sais pas si je vous ai partagé. C'est une soeur qui me raconte. Elle avait acheté un produit cosmétique, lait de beauté, écrit sur sa Fantasia. Écoutez très bien. Écrit sur sa Fantasia. Dans son sommeil, elle a été beaucoup troublée. Elle ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans sa maison. Alors qu'elle s'est débrouillée, elle a enlevé tout ce qui est interdit, mais il y a encore le combat. Maintenant, le Seigneur le fait comprendre, le réveille. Tu sais que tu t'es débrouillé, mais tu gardes encore une chose que vous ne pouvez pas interdire. Pourquoi vous, mes amants, pourquoi vous n'êtes pas sages? C'est là où le réveille. Prends ce produit de l'œil de beauté. C'est écrit sur sa fantasie. Vous ne voulez pas être intelligent. C'est là où le Seigneur lui-même est découpé. Fantasia, il faut découper. Ça, c'est quoi le radical? L'autre, là, c'est quoi le préfixe? Voilà. Enlève Asia. Mais l'autre, Fanta. Fanta qui est Fanta. C'est-à-dire, Fanta, c'est la sirène. C'est le nom de la sirène. Et c'est comme le diable est donc brisé. Il ajoute maintenant Asia. Pour que tu ne saches pas que bon, c'est pas Fanta, c'est Fantasia. Alors, c'est Fanta. Donc, tu dois avec, tu dors avec la sirène. Comment donc la sirène ne va pas te comparer parce que vous dormez ensemble. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller jeter. Il faut aller jeter. Elle a pris ce produit, c'est lui le beauté. Elle est allée dans une cour. Elle a prié. C'est pour lui. Elle a jeté. Pum! Au moment où elle jette là, c'était comme une personne qui a fait une plongée là. Au moment où elle a jeté là, ça fait comme ça. Là. Pum! Elle a eu la chair de poule. Elle a eu la chair de poule. Donc c'est pour lui là. C'était une sirène. C'est vrai. Et après, il est rentré. Donc, quand le Seigneur nous parle de dépouillement, c'est très important. Parce qu'il sait que derrière ces choses-là, il y a des esprits qui se cachent. Amen. C'est pourquoi il veut que nous soyons dépouillés.
complètement dépouillé. Il faut qu'on enlève ces choses-là. C'est très important. C'est très important. Et faites aussi attention à ce que vous regardez aussi dans les télévisions. Amen. Dans les télévisions, la télévision, ça c'est également un instrument que les diables utilisent pour distraire les enfants des yeux. Ou même pour initier les enfants à la sorcellerie. Au travers des dessins animés, les films horreurs, on les initie. Et vous avez constaté que certains enfants qui sont violents, qui sont turbulents et qui manquent de respect à leurs parents, on ne se pose pas la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui les a arrivés? Or, ils sont déjà initiés dans la sorcellerie au travers des dessins animés, au travers les jeux vidéo, les tintins, les films, les séries et autres. Parce que c'est ça qu'on y regarde, l'esprit qui est derrière le dessin animé. C'est ça qui va nous pousser, qui va nous procéder à devenir violent. Tout le film aurait le film de guerre. Comment donc l'esprit de colère, l'esprit de violence ne va pas nous posséder. Ça va nous posséder. Ça va nous posséder. Veillez sur vos enfants. Ayez des règles, les règles dans votre maison. Et les enfants tout petits, ils ne doivent pas vous commander. Non. Ils ne doivent pas vous commander. C'est vous qui avez l'autorité. Amen. Ne vendez pas vos enfants au Moloch. Ne livrez pas vos enfants au Moloch. Veillez sur vos enfants. Parce que si vous ne veillez pas sur vos enfants, et Dieu va vous demander le sang. Amen. C'est mieux de les éduquer. Pour le passer selon la volonté de Dieu. Il faut les apprendre. Comment craindre Dieu? Comment respecter? Les aider. Amen. Et comment travailler à la maison? C'est très important. Même quand vous les envoyez à l'école, l'éducation commence d'abord par vous. Amen. L'éducation commence d'abord par vous. Vous devez être une source de bénédiction pour la société et pour le gouvernement. Amen. Si vous donnez de bonnes productions à vos enfants, n'est-ce pas, les sociétés seront bénéfiques. N'est-ce pas, vous avez formé un bon citoyen camerounais, vous avez formé un bon citoyen qui va aider la société et qui sera une source de bénédiction pour plusieurs personnes. Amen. C'est très important. Donc, les délais, vous voyez là, les scènes ne vous empêchent pas d'avoir la télévision, c'est pour l'ordinateur, mais il faut avoir des discernements. Il faut savoir faire la part des choses pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Amen. C'est très important. Tout ça fait partie du dépouillement. Tout ça fait partie du dépouillement. Pour vous et pour vos enfants. Amen. Mais vos enfants, il faut les apprendre comment s'habiller. Dans les bazars, ce sont les jeunes, les filles. Il faut les apprendre. Comment nouer le foulard. Comment s'habiller, comment porter. J'ai pour comment attacher le pain. Amen. Comment s'habiller. Dans les bazars, elles vont grandir avec l'esprit. Même si elles seront grandes, elles vont se rappeler quand j'étais enfant, voilà comment maman me disait, voilà comment maman m'a appris. Voilà, il faut les apprendre ces choses. La vie de sainteté, tout le passage. Amen. Peut-être vous êtes à la maison, il y a des moments de prière ensemble avec les enfants. Prière avec les enfants. Même quand vous ne serez pas là, ils vont entre eux commencer aussi à prier. Amen. Ils vont aussi prier. C'est ça. Et le Seigneur veut que ça se passe comme ça. Amen. Donc le dépouillement est tellement vaste. Est tellement vaste.
dans la sainte doctrine et que tu vas finir ta course. Tu vas finir ta course en enfer parce qu'il y avait tel, parce qu'il y avait tel. Amen. C'est une grâce qu'on vous parle de ces choses avec détail. Amen. On vous parle de ces choses avec détail. On vous parle de la coiffure, comment Paul aussi s'est coiffé. Amen. Les coiffures zigzag. C'est pas le loxe. Où on fait ça sur la tête des apôtres, c'est pas sur la crête, si c'est pas le cœur du poing. Non. Si vous voulez les raser, rasez-les simplement. Amen. C'est très important. Et lorsque vous allez au marché acheter, c'est pas des habits pour vous, ayez l'esprit de discernement. Comment vont-tu voir un habit avec, je ne sais pas, avec le serpent ou avec la tête des morts? Tu achètes et tu portes. Tu donnes ça à ton enfant. Il porte avec le crâne, le squelette. L'esprit habite tout sur le corps, non? L'âme est dans le corps. Amen. L'âme est dans le sang, ça touche le corps. Mais c'est l'âme qui est attaquée. L'âme est attaquée. Amen. Parce que la vie que nous portons, ça touche notre corps directement. Pourquoi il faut avoir le discernement pour faire la part des choses? Il y a des habits simples. Il y a des habits naturels que tu dois acheter. Même les garçons, là. Amen. Débrouillez-vous. N'achetez pas, ne portez pas les jeans ou les habits déchirés, déchirés. Les habits déchirés. Mais tu portes les habits déchirés, c'est toi-même qui es déchiré. Tu veux déchirer ton âme. Les habits déchirés, déchirés. Et dans les habits déchirés, vous allez voir les jeans là. Il y a encore la tête des morts, hein, si vous avez observé. Les destroyers. Mais destroyer, mais tu vois encore la tête de mort. C'est grave. Le monde est pauvre. Ayez le discernement. Le diable est rentré même dans l'alimentation. Il est rentré dans l'alimentation. C'est pourquoi il faut beaucoup prier. Et toute chose que tu achètes au marché, il faut prier pour payer pour ça. Amen. Je me rappelle, c'était l'apôtre Paul qui montait ça. C'est passé. Ça fait déjà plus de 2 mois. Que dans une boutique, dans un supermarché, il y avait un sac de riz. Et un sac de riz écrit sur ça d'une manière collée. Amen. Il faut vraiment être sage pour te surveiller. Ça veut regarder comment le diable est rusé. Il met ça, son corps, son étiquette, sous le sac de riz. Sous le sac de riz. Et tu achètes, et tu vas consommer, tu vas manger. Vous voyez donc que ce n'est pas pour posséder les hommes, c'est pour les posséder. Et si tu as bon l'esprit de discernement, tu vas éviter ces conneries. Même si ça paraît beau, je vais les éviter. Amen. C'est très très important. C'est très très important. Et vous allez voir, c'est rare qu'on va vous parler de ces choses. Le dépouillement. Laissez-le veut que son église soit dépouillée. Que son église soit sanctifiée. Que son église soit dépouillée des choses du monde, des paroles du monde. Des choses du monde, des paroles du monde. Je ne sais pas dans les réseaux sociaux pour faire ça, si tu as eu à tomber une vidéo où une femme verse l'eau chaude sur la mèche. Mais une femme avait les mèches, avait les tresses, les mèches. Je ne sais pas si elle allait dans une coiffure, salon de coiffure. Maintenant, et la coiffeuse avait l'eau chaude, qu'elle débrouille sans délai. Elle verse sur le mèche. Regardez comment c'est que le mèche va. Tu vois comment le serpent est en train de. Ça me permet. Ça m'a attiré mon attention. Donc, le mèche, l'eau chaude, ça me brûle. Comment ça bouge, les mèches bougent.
soit sur le serpent. Visible, la vidéo, elle ne serait pas un montage. Les mèches. Et la reine du beauté veut veiller à ce que toutes les femmes portent ces choses. Mais au nom de Jésus, cela ne va pas nous atteindre. Parce que vous êtes sauvés. Vous êtes délivrés de ces choses. Amen. Vous êtes délivrés de ces choses. Quand les élèves vous voient, vous êtes belle. Vous êtes beau à ses yeux. Amen. La beauté naturelle. C'est la meilleure. C'est la meilleure. Et les hommes, évitez de se balader avec les démembrés. On appelle ça les démembrés. Les démembrés. Évitez de se promener, même chez vous à la maison. En torche nue ou en culotte. Non, si vous le faites, vous êtes en train de faire quoi? Parce que vous exposez votre nudité. Vous êtes en train de maudire vos enfants qui sont en train de vous voir et vous observer. Et c'est la même chose qu'ils vont faire. Amen. Parce que la sainteté, c'est pas seulement ici à l'église. Ça commence chez toi à la maison. Comment tu t'habilles lorsque tu es chez toi? Ou quand tu me fais la cuisine, donc tu enlèves tout. Ou parce qu'il fait chaud. Il fait chaud. Et en enfer. Même la chaleur, quand vous dites qu'il fait tellement chaud, est-ce que cette chaleur-là atteint le degré, la chaleur de l'enfer? Habillez-vous décemment. Même si vous êtes chez vous, même si vous êtes à la cuisine, habillez-vous décemment. Amen. On ne sait jamais. Dieu peut envoyer un ange. Sous forme personne aussi comme ça, ou d'un frère. Tu vas voir que c'est un frère. Ou c'est un frère physiquement, mais spirituellement, c'est un ange que Dieu a envoyé. Et ce frère, il te trouve que Dieu a vu. Qu'est-ce qu'il va dire après? Quel rapport il va rentrer après? Amen. C'est très important. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Parenthèse. Amen. Peuple de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ voudrait que nous soyons édifiés sur cette terre qui est le colonne. Le colonne d'une église glorieuse et puissante. Les colonnes d'une église glorieuse et puissante. Amen. Nous allons lire rapidement dans Actes chapitre 2, versets 41 à 47. Actes chapitre 2, versets 41 à 47. Les colonnes d'une église glorieuse et puissante. Actes chapitre 2, le verset 41 à 47. À 47, il est écrit: ceux qui acceptaient sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple.
Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Les quatre colonnes d'une église glorieuse et puissante. Amen. Voyez, le Seigneur Jésus-Christ a fait tellement de travail et il voudrait que son église soit établie. Amen. Établie officiellement. Sur le plan spirituel, c'est déjà l'église. Amen. Même que ce soit sur le plan formel, c'est déjà l'église de la Sainte Doctrine. Ici à Paris-Jong. Et à côté, pardon, c'est à côté. Amen. Et c'est pas vous, que la Sainte Doctrine, que le réveil va s'éteindre. Amen. Va s'éteindre. Ça ne va pas seulement s'arrêter à côté. Ça va aller à la ville qui est encore dépensée à vous. Par un Nanga. Amen. Que Nanga soit aussi embrasé par le feu du Rebel. Amen. Pas seulement Nanga, jusqu'à Minta. Amen. Jusqu'à Minta. La Sainte Doctrine va s'éteindre et ce n'est pas vous. Amen. Lorsque les apôtres étaient avec le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, ça a commencé à Jérusalem. Amen. À Jérusalem, à Samarie. Et dans les autres contrées, les autres villes, jusqu'à l'extrémité de la terre. Amen. Et ce n'est pas vous. Vous êtes les prémices. Amen. Vous êtes le pilier du réveil du groupe Jésus revient de la Sainte Doctrine. À côté. Et vous avez reçu beaucoup de choses. Et le Saint-Esprit va vous révéler dans beaucoup de choses. Amen. Et vous ne serez pas le même. Amen. Lorsque vous allez se retrouver au milieu de pain autres, on saura que celui-ci est un disciple du Seigneur. Amen. On va vous identifier. On va vous reconnaître. On va vous reconnaître soit au travers de votre langage. On va vous reconnaître soit au travers de votre comportement. On va vous reconnaître soit au travers de votre habillement. On va vous reconnaître au travers de votre serviabilité. On va vous reconnaître au travers de votre manière d'agir. On va vous reconnaître que celle-ci est différente des autres. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est le Seigneur qui t'a transformé. Amen. Maintenant, nous sommes réunis donc. Et le Seigneur nous voudrait que son Église soit fondée sur quelques piliers. Amen. Quelques pieds afin que cette église soit solide, que cette église soit sans tache, cette église soit limpide, cette église soit une église puissante, une église glorieuse, une église inébranlable, une église, même si ce sont des persécutions ou des problèmes qui viendront, cette église ne sera pas ébranlée parce qu'elle est fondée sur le roc qui est là, qui est Jésus-Christ. La Sainte Doctrine. Amen. C'est ça. Le Seigneur vous dit comment nous allons vivre ensemble. Comment l'église de côté doit vivre ensemble. Comment l'église de côté doit cohabiter. Comment l'église de côté doit jouir ensemble. Amen. C'est vrai. Nous ne nous connaissions pas. Amen. Mais c'est le Seigneur qui nous a rassemblés. Peut-être je n'ai pas pensé, un jour, d'arriver ici. C'est vrai. J'entendais quand même de côté à côté. Amen. Mais le Seigneur avait grâce pour qu'on se connaisse. Amen. Vous êtes mes frères. Nous sommes des frères en Christ. Le Seigneur nous a unis. Il y a des Juifs, il y a des Chrétiens. Nous sommes tous un. Amen. Et le Seigneur voudrait donc que cette église soit une église unie, une église unie où l'unité règne. Amen. Où l'unité règne. L'église, en fait, c'est quoi l'église? C'est la communauté des saints. Qui est saint, qui est sauvé, je suis sauvé. Nous sommes la communauté des saints. L'église, c'est le rassemblement des croyants. Des croyants en Jésus-Christ. Amen. Nous sommes le rassemblement. Nous sommes rassemblés, non? Comme nous sommes rassemblés, c'est pour avoir le même partage.
Nous sommes rassemblés, c'est pour faire l'œuvre de Dieu. Nous sommes rassemblés, c'est pour partager comme le même opinion. Nous sommes rassemblés et nous avons un seul objectif. Amen. Nous avons un seul objectif. Quel est le seul objectif que tout le monde, que chacun ici est ici? Je n'ai pas suivi. Le ciel. Le ciel. Acclame le Seigneur Jésus-Christ pour cet élément de contribution. Nous sommes le rassemblement. L'église est le rassemblement des saints. Le rassemblement des élus. Amen. L'église c'est l'assemblée des saints. Lisons rapidement 1 Timothée chapitre 3 verset 15. Il est écrit: occupe-toi de ces choses, donne-toi entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. C'est ça? 1 Timothée, chapitre 3, verset 15. Verset 15. 1 Timothée 3, 15. Ah, ok. Bon, qui a une autre version? D'accord, chapitre 3, verset 15. 1 Timothée, si tu es dans 1 Timothée. Ah oui. Verset 15, il est écrit: cependant, si j'ai du retard, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église de Dieu vivant. Amen. Amen. Oui, la suite. Il y a l'église de Dieu vivant. Il y a la suite. Pilier et soutien de la vérité. Voilà, pilier et soutien de la vérité. Lisez-vous la version aussi. Mais afin que tu saches, oui, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Qui est l'église de Dieu vivant. Qui est l'église de Dieu vivant. Oui. La colonne et la colonne et l'appui de la vérité. Et l'appui de la vérité. L'église, c'est quoi? La colonne et l'appui de la vérité. L'église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison? Dans la maison de Dieu. Amen. Ici, si le Seigneur s'adresse à l'église, c'est à l'église. Il ne s'adresse pas aux païens. Amen. Comment il faut se conduire dans la maison de Dieu? La maison de Dieu. Donc, il y a une manière de se conduire. Il y a une manière de se comporter dans la maison de Dieu. C'est ce que le Seigneur veut nous dire ici. Amen. La maison dont on parle, la maison spirituelle. Amen. Parce qu'il a aussi écrit: nous sommes la maison spirituelle. Amen. Nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Amen. Même si ce n'est pas dans le quatre murs, si nous nous rassemblons, nous sommes une église. Amen. Nous sommes une église. Nous sommes une habitation Dieu vivant où l'Esprit de Dieu vient habiter. Amen. Et l'Esprit de Dieu vient habiter là où il y a la sainteté. Amen. Là où il y a la sainteté. Le corps est la maison de Dieu. Dans les autres corps, nous sommes le corps de Christ et nous constituons la maison de Dieu. Amen. Tout le monde ici constitue la grande famille de la maison de Dieu. Nous constituons la grande famille. La famille chrétienne. La famille spirituelle. La maison de Dieu. Amen. Et dans la maison de Dieu, donc, il y a le colonne. Il y a les piliers. Amen. Il faut qu'il y ait les piliers pour que cette maison soit solide. Pour que cette maison soit bien bâtie. Amen. Même si c'est la persécution,
ou de problèmes qui vont surgir, que cette maison demeure ferme, inébranlable. Amen. Demeure ferme et inébranlable. Quand on construit la maison, il y a les piliers, les poteaux. Les poteaux au milieu là, c'est ça qui rend la maison solide. C'est ça, non? Voilà. Ça qui rend la maison solide. Même si c'est la tempête ou le vent qui vient, la maison ne va pas s'écrouler. La maison ne va pas trembler. Parce que cette maison, les piliers, les colonnes au milieu là, sont vraiment bien bâties, sont vraiment bien fondées. Amen. Amen. Sont vraiment bien fondées. Et c'est ça que le Seigneur veut que nous puissions recevoir aujourd'hui. Amen. Amen. Lisons le verset 42 dans Actes. Actes chapitre 2, verset 42. Actes chapitre 2, le verset 42, il est écrit. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Arrête à ce niveau. L'équipe persévérait dans l'enseignement des apôtres. Les disciples, non? Les disciples. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Les disciples. Ceux qui étaient sauvés. Amen. Et c'était le païen. C'était des sauvés qui sont passés par le processus de la sainte doctrine. Ils sont passés par la repentance. Ils sont passés par le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus. Ils étaient délivrés. Les chaînes ont été brisées. Les alliances ont été annulées. Les malédictions ancestrales ont été annulées. Amen. Les liens parentaux ont été brisés. Ils ont reçu le baptême. Ils étaient morts en Jésus ressuscité. Ils ont pris l'engagement d'une bonne conscience. Amen. Amen. Maintenant, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut se réguler? Il faut donc demeurer. Maintenant, quand donc demain, il faut donc qu'on reçoive la nourriture. Il faut qu'on reçoive les enseignements pour être davantage édifié et éclairé afin de d'avancer avec Christ. Amen. Amen. C'est ce que les apôtres donc faisaient. Ils étaient là, dans la maison de Dieu, dans le temps. Ils persévéraient. Voyons, ils perdent la Bible, ils persévéraient. Amen. Et à l'époque, il y avait des persécutions. Malgré les troubles, les persécutions, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ce qu'ils recevaient, c'était quoi? La sainte doctrine. Amen. Ce qu'ils recevaient, c'était l'enseignement sur la sainte doctrine, l'enseignement sur l'amour, l'enseignement sur le pardon, l'enseignement sur beaucoup, beaucoup de choses qu'ils recevaient des apôtres. Amen. Et c'est au fur et à mesure, ce sont ces choses que vous allez recevoir. Amen. Que vous allez recevoir de cela que le Seigneur va mettre pour vous conduire. Amen. Comme des dirigeants, comme des responsables, pour vous conduire. Et le Saint-Esprit va les équiper. Le Saint-Esprit va les conduire. Afin, ce qu'ils reçoivent, ils vous transmettent pour eux et pour vous également. Amen. Pour eux et pour vous également. Ils persévéraient dans l'enseignement de sa parole. Dans l'enseignement, la sainte doctrine. La sainte doctrine, il y a beaucoup d'éléments de la sainte doctrine. Amen. N'est-ce pas? On va vous rappeler des interdits. On va vous dire des interdits pour être dans la maison de Dieu. Voilà comment il faut se comporter. Voilà comment il faut se comporter dehors. Voilà comment il faut agir. Voilà comment il faut faire. Voilà les interdits. Et vous allez recevoir les enseignements de se contenter de la sainte doctrine, la parole pure que vous recevez. N'allez pas manger partout. Sinon, ça va troubler votre foi. Sinon, ça va basculer votre foi. Ça va semer des doutes en vous. Les semences que vous recevez dehors, vous ne connaissez pas la source de ces semences. Amen. Parce que c'est ce que les gens font souvent. On n'est pas content, on n'est pas satisfait de ce qu'on a maintenant. Qu'est-ce qu'il y a encore ou est meilleur ce que j'ai reçu? Si ce n'est
que pour me préparer pour sauver ce qui sauve mon âme. Tu cherches qu'on va te parler de quoi? On va te parler, je ne sais pas quoi. Alors, que le Seigneur veut, c'est que tu as reçu là. Tu le mets en pratique et tu persévères. Ce que tu as reçu, c'est quoi? C'est de pardonner, c'est d'aimer, c'est de faire l'œuvre de Dieu, c'est de faire ceci. Mais en pratique, tu mets en pratique. Les jours où tu vois, ton âme sera sauvée. Maintenant, tu laisses. Tu pardonnes clandestinement. Les hommes de Dieu ne sont pas au courant. Et toi, tu es parti. Je ne sais pas si tu es dans les réseaux sociaux. Je ne sais pas où si on t'a invité. Et tu es parti sous police. Sans même aviser. Tu es parti là, tu as avalé. Maintenant, c'est venu là. Tu commences à te poser la question. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce que j'ai reçu là, est-ce que. Ce que j'ai reçu, est-ce que. Tu vois, et ta foi commence déjà à tourner mal. Donc, il faut faire très attention à ce que vous voyez dehors, à ce que vous allez recevoir dehors. Ça peut être vrai, ce que tu as reçu comme sémence. Maintenant, quelle est la source de la personne qui diffuse, qui porte cet enseignement? Quelle est son identité spirituelle? Quel est son témoignage? Quels sont les fruits que cette personne porte? Mais ces choses sont beaucoup de femmes qui sont quittées. Excusez-moi, monsieur. C'est beaucoup de femmes qui sont victimes. Ça, c'est un constat. Prophète, ça. C'est beaucoup de femmes qui sont victimes. Les hommes, il y en a, mais c'est beaucoup de femmes. Parce qu'on va vous dire que, on dit Jésus-Christ est à Mika. Ou il est à Ananga. Ah! Vous allez voir comment les gens vont courir. Oh, on a entendu, Jésus est à Abadja. Ou il est à Pokito. On a entendu, il est à Pangasina. Ah, allons! Les idées ne sont pas au courant. On va constater, mais elle est partie. On ne connaît pas sa position. Alors que tu es là-bas, à Pangasina, ou à Pokito, en train de recevoir les sémences que toi, tu ne connais pas la source. Et qui va venir maintenant se germer en toi et commencer à créer des doutes, à créer des doutes, à créer des doutes. C'est toi-même qui es parti chercher, n'est-ce pas? La Bible dit, si on vous dit que Jésus-Christ est au champ, le champ de Cana là, s'il est là-bas, ne partez pas. Si on vous dit que non, il est là-bas dans une cathédrale, bâtie là en marbre, en carreau, là-bas c'est beau, il est là-bas. Ne partez pas. C'est ce qu'il a dit, non? Tu es parti là-bas faire quoi? C'est pas quand tu vas y couper, c'est toi qui vas suivre. Amen. Il persévère dans les enseignements des apôtres. Dans les enseignements des apôtres. Les apôtres, ils ont marché avec Jésus. Ce qu'il leur donnait comme enseignement, ce qu'il leur expliquait, le fondement de la foi, ce qu'il leur donnait, c'est pour bâtir leur foi. Et c'est ce qu'ils ont reçu de leur maître, qui est le Seigneur Jésus. Amen. C'était ça qu'il les transmettait. Et Jésus lui-même dit au dernier temps, il y aura des personnes, il y aura des gens qui vont s'élever, qui vont faire. Ils vont vous dire. Même si on vous parle que non, là-bas, dans la sainteté, là, où c'est écrit, église de sainteté, 100%. Ne vous fiez pas au nom. Le nom, là, ne dit rien. Si on vous dit que là-bas, là, donc il y a l'onction. Quand puis les gens parlent, on voit comment les gens font comme ça. Les gens sont guéris, les gens sont fait ceci. Et puis, c'est l'onction qui va te sauver. Même si c'est l'onction, même tu pries, le fait de ça. Les choses simples, tu ne mets pas ça en pratique.
devant le bonheur du ciel, on va dire, j'étais jamais connu. J'étais jamais connu. C'est pas l'onction qui va te faire entrer au ciel. La carte de vie, ça se voit la sainteté. Est-ce que tu mérites une vie de justice? Est-ce que tu mérites une vie de sainteté, d'intégrité? Comment tu t'es comporté? Tu vivais dans le péché. Ici, le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Arrêtez le monde. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Cet enseignement, c'est aussi une exhortation, c'est aussi un conseil pratique. Amen. Des choses que vous voyez qui se passent. C'est pour vous dire de demeurer. Amen. Non, c'est que nous recevons là. Non. Ça ne nous suffit pas. Tu veux donc qu'on te donne quoi? Si on t'a nourri aujourd'hui, même s'il n'y a pas nourriture, nous sommes venus. Nous avons loué le Seigneur. Nous avons adoré le Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que le Saint-Esprit n'était pas là? Est-ce que le Saint-Esprit n'était pas là? Le Saint-Esprit était là. Amen. Pourquoi il faut aller là-bas? Pourquoi il faut aller là-bas? Où tu as entendu? Il y a quelqu'un au Nigeria. Il y a quelqu'un. Soit ils ont déjà en Centrafrique. Il faut aller. Il y a des personnes qui voyagent. Vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi au but? C'est la guérison? C'est le mariage? Vous cherchez quoi? Les élévations? Vous cherchez quoi? Les promotions? Le salut est bon. Tous ceux qui nous ont dépensés dans la foi, ils sont sauvés là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont simplement obéis. Ils ont mis en pratique la parole de Dieu. Ils ont persévéré jusqu'à la fin. Et la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Et c'était la parole pure, non du bien, sans compromission. Pas des doctrines de Balaam, pas des doctrines nicolaïques, pas des doctrines d'Isabelle. C'était la doctrine pure, la sanctification, la sainteté, la repentance, pour amener les âmes à craindre Dieu. Amener les âmes à craindre Dieu. Voilà les choses qu'il faut. S'il n'y a pas la crainte de Dieu, c'est que ça ne sert à rien. Amen. Voilà tout ce qu'il recevait. Tout ce que les disciples recevaient. Renoncez à vous-même. Renoncez au vieil homme. Entrez dans une école du brisement. Soyez humble. Pratiquez la justice. La miséricorde. Voilà tout ce que les disciples recevaient. Ils n'ont jamais reçu que non, pour faire ceci, ou peut-être pour voyager, il faut donner tel, il faut donner tel. Les gens tombent. Voilà, on a entendu que quelqu'un est venu là. Vous voyez donc comment? Même l'homme. Ah, les gens venaient. Les hommes plus que Dieu. Mais comment donc? Tu es un serviteur. Un serviteur, c'est qui au service des hommes. Mais on t'honore. Tu es escorté. Comme un président de la République, comme un ministre, l'escorte. Serviteur de Dieu. Même si on va vous dire que non, cet homme-là, il fait tellement de miracles. Il fait ceci. L'onction est là. Jésus-Christ n'est pas dans ça. Amen. Amen. Et ce sont des choses que vous allez recevoir. Vous allez voir ça qui s'est pratiqué ici à côté de même. N'y partez pas. N'y partez pas. N'y partez pas. Demeurez là où vous le Seigneur vous a mis. Ensemble. Demeurez, demeurez. Vous formez déjà une famille. Amen. Parce que vous avez reçu les mêmes enseignements.
pour les autres que le Seigneur va les acheter. Amen. À vous, ils vont se joindre à vous. Et que vous soyez capable de les exhorter, de les expliquer les choses que vous avez reçues. Que vous avez reçues, vous allez les exhorter, les enseigner, les expliquer. Pour que vous prépariez ensemble pour le ciel. Parce que le réveil que le Seigneur a sur ses vient donc que de préparer l'épouse du Seigneur. Préparer l'église pour l'enlèvement. C'est tout. J'ai pas autre chose à vous dire. Vous préparez, et vous préparez comment? Il faut fuir le péché. Il faut détester le péché. Parce que c'est le péché là. C'est ça qui conduit à la mort. Amen. Et nous tous, il n'y a pas question que, non, c'est évident, nous tous. Nous tous, nous sommes concernés. Chacun doit travailler sur son salut. Chacun doit demeurer. Chacun doit travailler sur son salut tous les jours. Tous les jours. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Même si ce n'est pas l'enlèvement, la mort peut aussi arriver. Amen. Et si la mort t'arrive et que ta vie n'est pas correcte, tu vas voir que tout le temps que tu as passé pour venir adorer le Seigneur, c'était en vain. Et en fait, comme on dit, non, retirez-vous de vous, vous commettez l'iniquité. Ça fait mal. Ça fait très mal. Amen. Les disciples persévéraient dans les enseignements de des apôtres. Amen. Oui, la suite. La suite. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. C'est quoi l'enseignement de la sainte doctrine? Dans la communion fraternelle. Oui, la communion fraternelle. Dans la fraction du pain. Oui, dans la fraction du pain. Amen. La fraction du pain, c'est le repas du Seigneur. Amen. La fraction du pain, le repas du Seigneur. Et le repas du Seigneur est très important. Amen. Est très important. Et lorsque tu prends le repas du Seigneur, ou tu participes à la table du Seigneur, ça c'est une préconfiguration des choses que nous allons nous faire au ciel. Amen. Et il faut donc au moment où tu demeures dans l'église vivante de cet été, il ne faudrait pas qu'il y ait quelque chose qui t'empêche de participer au repas du Seigneur. Si tu ne le fais pas, pendant où nous œuvrons encore vivant sur la terre, si tu ne participes pas à ça, tu ne le fais pas, c'est qu'il y a un problème. Amen. Il faut donc que tu cherches à résoudre ce problème. Amen. Et pendant que nous sommes encore vivants, nous participons au repas du Seigneur pour annoncer Christ. Annoncer le retour du Seigneur. Amen. Pour annoncer le retour du Seigneur. Et c'est ce que les apôtres disaient aux disciples. Ils persévéraient dans les enseignements du Seigneur. La communion fraternelle. La fraction du pain. Lorsqu'ils prenaient le repas du Seigneur, la suite, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand vous allez voir, ils sautaient, ils évangélisaient. Ils prêchaient le retour du Seigneur. Ils témoignaient Christ devant les nations. Ils faisaient ceci. Avec nous, avec au travers son sang. L'alliance éternelle. Et quand ils prennent le repas du Seigneur, le Saint-Esprit réveille encore en eux les dons qu'ils ont reçus. Amen. Pour que ces dons soient mis en exécution. Pour que ces dons soient mis en application. Amen. Le repas du Seigneur. Oui, la suite. On va revenir sur un élément très important parce que c'est ça. Socle. Et dans les prières. Et dans les prières. Et dans les prières. Ils réunissaient ensemble, ils s'y rassemblaient pour dans les prières. Ils priaient. Amen. L'église de prière. L'église de feu. L'église enflammée. L'église de prière. Amen. Les prières. Le moment de prière. Le moment de jeûne. Tout ça.
les prières, multiplie les prières. Priez sans cesse. Multiplie les prières. Il faut beaucoup prier. Et la prière, c'est une arme redoutable que le Seigneur nous a donnée. Amen. Non pas de vaincre l'ennemi, de vaincre l'ennemi. Est-ce qu'on va le vaincre physiquement? Mais ce n'est pas la prière. Ce n'est pas la prière. Quand vous êtes donc réunis l'église de côté, vous devez beaucoup prier. Amen. Ça, c'est l'un des prières. Je parle de titre, c'est quoi le couronne? Le couronne. Pour les prier d'une église quoi? Glorieuse, d'une église puissante. Pour que l'église de côté soit une église glorieuse et puissante. Où le Saint-Esprit se manifeste. Pour que l'église soit une église de prière. Amen. Les hommes de prière, les femmes de prière. Et toutes les paroles qui vont sortir de vous sur une boule de paix. Vous priez. Vous allez voir que la lampe sera toujours allumée dans la vie de côté. Et même le monde des ténèbres, c'est qu'il y a la lumière. Il y a quelque chose qui a pu se passer actuellement dans la vie de côté. Amen. Le monde des ténèbres. Dans le monde des ténèbres, il y a quelque chose qui a pu se passer actuellement dans la vie de côté. Amen. Et là où il y a la lumière, les ténèbres se dissipent, les ténèbres se disparaissent. Amen. Il est la vie des prières. La prière est un prier d'une église vivante, glorieuse. Une église bâtie sur la sainte doctrine. Une église bâtie fondée sur le roc. C'est une église de prière. Une église qui vit une vie de prière. Une église qui boue. Une église qui est scellée dans la prière. Les femmes comme les hommes, même les enfants. Amen. Alléluia. L'un des piliers d'une église glorieuse, d'une église vivante. La vie de prière. Amen. Et c'est ce que les disciples de l'église primitive faisaient. Les disciples persévéraient dans les enseignements, dans les fractions de pain, dans la communion et dans les prières. Voyez donc, ils faisaient des nuits de prière. Vous vous souvenez quand vous lisez les passages, là, l'apôtre Paul était en Vémon, il avait prié, il était enfermé. Mais le reste, là, qu'est-ce qu'il faisait? Il multipliait les prières, les prières, les prières, les prières, les prières. C'est que les prières sont montées au ciel. Et l'ange lui-même est venu délivrer l'apôtre Pierre de la prison. Qu'est-ce qui a causé tout ça? C'était la prière, la grâce. La prière. Parce qu'il priait, au moment où il priait, et le Seigneur achevait les âmes. Il prenait le repas du Seigneur, il sortait, annonçait, prêchait l'évangile et le Seigneur ajoutait les âmes. Le Seigneur ajoutait les âmes. Quand vous lisez la suite, il y avait les âmes qui venaient manquer les persécutions, tout ça. Le Seigneur faisait ajouter les âmes sur eux. Si vous allez faire ces choses, vous allez voir quel côté vous là. C'est une grande église. Amen. Amen. Que quand sera gagné pour Christ. Amen. Amen. Nous n'allons pas demeurer ainsi. Amen. Et laissez-moi pouvoir que l'église ait même son propre terrain. Amen. Amen. C'est tout ça qui s'est passé dans l'église vivante. Il y a des gens qui donnaient, qui portaient leur terrain, qui donnaient leur maison, qui donnaient même les terrains. Les saints peuvent susciter. Quelqu'un va dire prend un terrain. Peut-être, c'est pas 500 mètres. J'ai tout ça pour l'éternel. Amen. Amen. Par Jésus, et le Seigneur prend encore pouvoir pour qu'il y ait des moyens pour construire. Amen. Nous savons un Dieu vivant. Qui croit à ça? Amen. Si tu crois à ça, acclame le Seigneur Jésus. C'est nous savons un Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu de Daniel. C'est Dieu qui nous servons, le Dieu de la sainte doctrine. Il n'a pas changé. Amen. Il n'a pas changé. Et il fait donc que l'église doit être priée. Amen. L'église soit battue. L'église est une colonne de feu. Une colonne de feu. Église de prière. Vous avez fait
pour garder un moment de jeûne. Ça va combien de jours, ça va dépendre comment le Saint-Esprit va inspirer vos conducteurs. Amen. Vous allez voir peut-être quand on va réveiller ses pas, ou il s'est mouillé ses mains, on va voir qui a coulé vos bonnes âmes, vos mauvaises âmes, que le Seigneur a acheté. Amen. Et parmi vous, chacun doit vraiment travailler. Amen. Pour amener une personne, deux personnes. Vous allez voir la sensible, sera petite. Je vous assure. La sensible sera petite. Il y a des gens qui cherchent le vrai Dieu. Mais le milieu dont ils sont là n'est pas un bon milieu. Mais le Seigneur les connaît. Il va les faire sortir. Ils vont vous rencontrer. Amen. Peut-être même dans la vie de côté, il y a des personnes déjà qui cherchent vraiment le vrai Dieu, ou même qui sont déjà tombés sur la chaîne Jésus revient, qui dit, mais ils ne savent pas si c'est déjà là, ici à côté. Les jours où vous allez sortir pour évangéliser, avec les paroles d'évangélisation, ils vont seulement tomber sur toi. Ah, donc ils sont ici. Oh, j'ai trouvé mes personnes. Ça s'est passé comme ça plusieurs fois. Vous n'êtes pas le seul élu. Il y a beaucoup d'autres élus dans la ville de Kota. Je vous assure. La ville est grande. Vous ne pouvez pas les tous connaître. Mais le Seigneur va les faire sortir. Ils vont se joindre à vous. Amen. Persévérer dans la prière. Il y a aussi la communion fraternelle. Amen. Je sais que de comment on va un peu parler de ça. La communion fraternelle. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, la sainte doctrine, la fraction du pain, le repas du Seigneur, les prières, la fraction du pain, la communion fraternelle. Amen. La communion fraternelle. Vous voyez, la communion fraternelle, dans la communion fraternelle, il y a le mot « un ». Amen. Il y a le mot « un », c'est pour dire que l'église de Côte-Terre soit « un ». Amen. Quand le Seigneur voit l'église de Côte-Terre comme nous sommes là, vous êtes là, il voit une seule âme. Amen. Il voit que l'église de Côte-Terre est un seul cœur. Il voit que l'église de Côte-Terre est une seule âme. Il voit que l'église de Côte-Terre est le même langage. Amen. Il faut que l'église de côté, même vision, même pensée et même pas. Vous devez marcher d'un même pas. Amen. Pas en rang dispersé. Vous devez marcher d'un même pas dans l'unité. Amen. Il y a aussi ensemble. Le mot communion, il y a ensemble. Partenaire vient de frère. N'est-ce pas? Nous sommes des frères. Hein? Nous sommes des frères. Ça ne veut pas dire frère, hier, les saints sont inclus. Non, nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. Il y a ensemble. Ensemble de personnes ayant une même pensée, une même intention, même sentiment. Amen. Nous sommes un et nous formons une même famille, une seule famille. Et nous vivons ensemble. Vivre à ensemble. La communion fraternelle, c'est le vivre à ensemble. C'est même ça qu'on enseigne à l'école. Hein, ma fille, ça, non. On vous enseigne à l'école. Il faut le vivre ensemble. C'est ça, non. Amen. Acclame le Seigneur Jésus pour la vie de tes enfants. Amen. Vivre ensemble. C'est le diable qui ramène parfois le mentalité de l'individualisme. Amen. L'individualisme, non, il faut que chacun pour soi. C'est ça l'individualisme. Oh, le Seigneur, c'est quoi? C'est la communion. Nous sommes un. Et nous devons avoir le même partage. C'est l'esprit, mentalité d'individualisme qui va faire de sorte que non. Comme nous venons à l'église, dès qu'on se sépare, chacun prend sa route. On ne cherche même pas à se saluer ou à voir. Tel frère, est-ce qu'il est venu? Tel frère, elle n'est pas. Tel soeur n'est pas venu. Qu'est-ce qui se passe? L'individualisme est dangereux. C'est du diable. Dans l'individualisme, il y a l'égoïsme. L'égoïsme, même dans le partage, dans la nourriture, c'est ce que vous voyez dehors. Cette mentalité, vraiment.
Mais vous allez voir des personnes qui sont en ça. Ils ne mangent pas ça. Chacun, ça part. Est-ce que c'est normal? Et ton frère, tu es en train de manger, mais ton frère, il a été, il te regarde. Ces choses-là, ça se passe beaucoup chez les Occidents, mais il est le diable qui a l'origine de ça. Mais mon frère, donne-moi un peu, on partage un peu avec mon père, il a faim. On ne va même pas chercher s'il a mangé ou s'il n'a pas mangé. Non, j'ai acheté, mon père. Faut même voir où c'est acheté. Est-ce que c'est normal? Faut même voir où c'est acheté. Est-ce qu'il a l'argent? Il va aller acheter avec quoi? Alors que tu es en train de manger. Mais il faut partager. Ce que nous, moi, j'ai acheté. Toi, même pas, vous avez acheté. Non. C'est pas bien. Il faut mettre tout au service des autres. Ce que tu as, mets ça au service des autres. Si tu veux vivre heureux, être heureux, mets ce que tu as au service des autres. Amen. Mais ce que tu as au service des autres, la communion fraternelle sur le partage. La communion fraternelle, c'est l'amour en action. Amen. L'amour en action. Le Seigneur Jésus-Christ nous a aimés. Il voudrait que l'amour règne. Amen. Quel a la vie de côté? Quel amour règne au milieu de nous? L'amour règne au milieu de vous. Amen. L'amour doit se manifester. L'amour doit se concrétiser par les actions que tu poses. Amen. Vis-à-vis de ton voisin, vis-à-vis de ton prochain, de ton frère, de ta soeur. L'amour doit régner. Tu dois aimer ton frère. Amen. Tu dois l'aimer malgré ses défauts. Tu dois l'aimer. Et si l'amour règne, ça va renforcer la manifestation de cet esprit. Le Saint-Esprit se manifeste là où l'amour règne. Amen. Si l'amour règne, est-ce qu'il y aura encore la place de la calomnie? Dis que l'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne cherche pas son intérêt. Et pourtant que l'Église, quand l'Église soit unie, soit glorieuse et puissante, il faut que l'amour règne. Amen. Amen. Aimez-vous les uns les autres. Amen. C'est ça l'Église vivante. L'amour doit se manifester au milieu des saints, au milieu de vous. Vous allez voir quand l'amour va régner au milieu de vous. Amen. Entre vous, les femmes, les hommes, vous vous aimez. Tout le monde là, c'est une partie. C'est ça l'amour. Amen. Vous constatez que peut-être il y a un frère qui a été peut-être victime des choses. Ou il a perdu un membre de sa famille. Amen. L'amour, ce n'est pas forcément que tu viens, tu donnes ton argent. Non. Même ta participation visible. Hein? Tu viens, tu les ordres, tu les consoles. C'est beaucoup de choses. Amen. Chose. L'amour doit régner. L'amour doit agir au milieu de vous. Amen. Nous allons voir quelques caractéristiques d'une bonne communion fraternelle. Comment identifier une église qui a une bonne communion fraternelle? Amen. Une bonne communion fraternelle. Il y a d'abord l'encouragement réciproque. Comment les uns les autres s'encouragent? Mutuellement. Amen. L'encouragement réciproque. Ça peut arriver, il y aurait un moment où quelqu'un va traverser un moment difficile. Ou un moment de malheur. Ou un moment de bonheur. Amen. C'est un moment de malheur. Il faut s'encourager. Il faut s'encourager. Il faut les autres. Il faut aller lui rendre visite. C'est ça aussi l'amour. Amen.
C'est l'amour. Le Seigneur Jésus-Christ nous a aimés. Et nous dit de nous aimer les uns les autres. Nous devons nous aimer. Réciproquement. C'est l'amour. Si l'amour règne pas, je crois que tout ce que nous pouvons faire, tout ce que vous pouvez faire, ça ne fait pas. Ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour, c'est difficile de passer votre temps. L'amour est profond. Ça fait partie de la communion fraternelle. Si vous êtes donc unis, il faut que l'amour règne. Il faut que l'amour règne au milieu de vous. Lisons rapidement Colossiens chapitre 3, verset 16. Colossiens chapitre 3, verset 16. Colossiens chapitre 3, le verset 16. Il est écrit. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Amen. Instruisez-vous réciproquement avec quoi? Instruisez-vous. La partie là où inscrivez-vous. Reprends un peu la partie là où c'est inscrivez-vous. Inscrivez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Instruisez-vous. L'instruction, vous devez vous instruire. On s'instruit quoi avec la parole. Ce que nous avons reçu, donc, les enseignements, les apports, la sainte doctrine que nous avons reçue, vous devez vous instruire réciproquement. Vous devez vous exhorter réciproquement. Avec quoi? La suite. Et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. En toute sagesse. Oui, en toute sagesse. Pas des psaumes. Pas des psaumes. Pas des hymnes. Les hymnes. Pas des cantiques spirituels. Les cantiques spirituels. Chantant à Dieu dans vos cœurs. Chantant à Dieu dans votre cœur. Sous l'inspiration de la grâce. Sous l'inspiration de la grâce. L'exhortation réciproque. Amen. C'est une église donc où l'amour règne. C'est-à-dire vous exhortez réciproquement. Vous inscrivez réciproquement. Amen. C'est ça donc une église qui est la communion fraternelle règne. Amen. C'est une église glorieuse. C'est une église puissante. L'amour est très important. Je ne sais pas comment vraiment vous expliquer. Si l'amour ne règne pas, s'il n'y a pas l'amour, tout ce que vous pouvez faire est rien et nul. Je vous assure. Si l'amour est là, la haine va venir où? Même pour ta propre vie, toi-même personnellement. Si tu es rempli d'amour, je suis rempli d'amour. N'est-ce pas, la haine va venir où? La colère n'aura pas sa place. Amen. Si l'amour est, la colère va venir où? L'amour est le fruit du Saint-Esprit, non? Maintenant, si l'amour occupe mon cœur, la joie occupe mon cœur, la bonté occupe mon cœur, les querelles, toutes ces choses-là vont venir où? N'auront pas leur place parce que mon cœur est occupé. Amen. Et si donc ton cœur est occupé par le fruit de l'esprit, son cœur est occupé, notre cœur est occupé par le fruit de l'esprit, mais autrement dit, l'amour va régner au milieu de nous. Amen. Et c'est ce qui s'est passé avec les disciples, avec les apôtres. Amen. Il y a aussi le soutien des uns et des autres, la sympathie, la compassion. Tu dois te compatir pour le souci de ton frère. Amen. Tu dois avoir la compassion. Tu
dois te soucier de ton frère. Un autre élément caractéristique d'une bonne communion fraternelle, c'est d'une église. Il y a la miséricorde. Il y a la miséricorde. C'est pardonner facilement. Amen. Une église qui nous pardonnerait, je vous assure, nous pardonne est trop fort. Amen. S'il n'y a pas le pardon, s'il n'y avait pas le pardon, c'est que nous sommes chacun un petit péché. C'est fini pour toi. Non? Tu attends seulement ton jugement et tu attirais simplement. S'il n'y avait pas le pardon, ça, tu es d'accord. S'il n'y avait pas le pardon, ça, non? Amen. Si une église, il dit, ça veut dire le pardon, on n'aime pas. S'il n'y a pas le pardon, nous sommes en train d'aller au monde. La Bible dit Jésus qui nous a pardonné. Il faudrait que nous pardonnons réciproquement. Tu pardonnes ton frère. Amen. Pardonner, c'est oublier. Quand tu pardonnes ton frère, tu oublies. Il faut donc que le pardon, la miséricorde, règne au milieu de vous. Règne au milieu de vous. Que chacun demande ce qui dit l'esprit de pardon. Amen. Que ce soit dans ton foyer, que ce soit où, que tu dit l'esprit de pardon. Il faut que tu pardonnes. S'il n'y avait pas le pardon, c'est que tu pêches là. Il n'y a plus possibilité de te relever. Amen. Mais le Seigneur nous a accordé son pardon et sa miséricorde. Amen. Donc une église qui pratique le pardon, la miséricorde, amen, est dans la communion fraternelle. Et dans la communion fraternelle. Et celui qui est rempli de l'Esprit de Dieu pardonne facilement. Amen. Pardonne facilement. Voyons, le pardon renforce la puissance de Saint-Esprit. Le pardon renforce la puissance de Saint-Esprit dans ta vie. Amen. Lisons rapidement Colossiens chapitre 3, verset 13. Colossiens chapitre 3, verset 13. Le verset 13, il est écrit: supportez-vous les uns les autres. Oui. Ainsi, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Pardonnez-vous quoi réciproquement. Amen. Ici, la parole est en train de s'adresser au païen ou bien à l'église. À l'église. C'est pour dire qu'il peut arriver qu'il y ait mésentente. Il peut arriver qu'il y ait conflit. Amen. Il peut arriver qu'il y ait désaccord. Amen. Ce n'est pas parce qu'il y a désaccord que la foi s'arrête. Ce n'est pas parce qu'il y a conflit, qu'il y a désaccord, que la marche chrétienne s'arrête. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il faut se pardonner réciproquement. Amen. Pardonnez-vous réciproquement. Comme le Seigneur nous a parlé. Réciproquement, c'est juste l'exemple. Quand il y a un désaccord arrive, est-ce que c'est une seule personne, deux personnes? Et souvent, quand il prononce deux personnes, c'est ça, non? Peut-être que la personne qui ne sait pas où son problème arrive, mais toujours c'est lié à une personne. C'est lié soit à un frère, c'est lié à une soeur. Toujours. C'est pourquoi donc la Bible ne peut pas vivre ensemble. La communion fraternelle, c'est de vivre ensemble. N'est-ce pas? Nous sommes ensemble. Il peut arriver qu'il y ait un désaccord avec mon frère. Amen. Et la Bible donc dit, s'il y a un désaccord, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que je pardonne mon frère. Si je pardonne mon frère ou ma soeur, n'est-ce pas? On oublie et on continue la marche chrétienne. Amen. Amen. Et le Saint-Esprit continue à se manifester au milieu de nous. C'est ce que le Seigneur veut. Pour que l'Église soit une église glorieuse, une église puissante, bâtie, ayant des piliers solides, ayant un fondement solide, il faut qu'il y ait le pardon. Amen.
le pardon, ça va également impacter le monde. Même quand vous êtes dehors, vous avez toujours l'esprit pardon. L'esprit de pardon. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Une des enfants, vous comprenez? Tu comprends? C'est Audrey, non? Audrey, tu as compris? Qu'est-ce que tu as reçu maintenant? Amen. C'est-à-dire quoi? Pardonner les comportements. Il faut le pardonner. Quand tu le pardonnes, tu fais quoi? Tu ne reviens pas sur ça. Ça, non. Hein? Il faut pardonner tes frères. Tu comprends? Voilà. C'est que tu as retenu, non? Amen. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Elle a aussi reçu sa femme. Amen. Et les enfants retiennent beaucoup, hein, parce que ça entre là. Quand tu me demandes, ça va vous dire, qu'est-ce que j'ai retenu que il faut pardonner. Il faut pardonner mon frère. Si tu as une message pour toi, il faut pardonner. Tu as compris, celle qui est devant toi, c'est. Hein? Oui. Hortense, non? Oui, Hortense, qu'est-ce que tu as retenu? Même à l'école, ça fait avec le camarade, non? Quand le camarade va te laisser, ou va te insulter, quand ton camarade va te insulter, est-ce que tu vas aussi l'insulter? Est-ce que tu vas lui dire? Amen. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est ça. Parce que la Bible dit on ne rend pas le mal par le. Tu comprends? Jésus-Christ, même sur la croix, les gens l'ont insulté. Hein? Il ne les a pas pardonnés. Tu comprends? On pardonne. Il t'insulte, tu peux Dieu te bénir. Tu comprends? Très important. Même à l'école, il faut faire ça. Tu comprends? Voilà. Acclamez encore le Seigneur. Amen. Toi, Emmanuel. Emmanuel, le batteur. Je ne le vois pas. Il va revenir. Oui, mon fils, qu'est-ce que tu as retenu? Il faut pardonner ton frère. À l'école, il ne faut pas insulter les gens, tu comprends? Il faut pardonner. Hein? Si on t'insulte, ton camarade t'insulte, tu ne dois pas l'insulter, tu comprends? Voilà, à la maison, on arrive quand on t'envoie. En tant que maman t'envoie, tu ne dois pas. Il ne faut pas faire ça. Hein. Tu comprends? Il ne faut pas murmurer. C'est ta mère. Tu comprends? Il faut la respecter. Tu comprends? Voilà. Il y a encore qui? Oui, celle-ci, lève-toi. Elle s'appelle qui? Ruth, qu'est-ce que tu as retenu? Ruth, regarde, tout le monde a reçu sa parole. Tout le monde ici a reçu sa parole. Qu'est-ce que tu as retenu? Maintenant, tu as retenu quoi? Dis-moi, un mot. Dis-moi un mot. C'est que Jésus t'aime beaucoup. Ruth, Jésus t'aime beaucoup. Hein? Tu n'as rien retenu. Hein? Mais Jésus t'aime. Tu comprends? Voilà. Emmanuel, je t'appelais là. Qu'est-ce que tu as retenu? Tout ce qu'on disait. Moi, j'ai retenu qu'il faut s'habiller décemment. Et il faut être obéissable. Donc, il faut parler des frères lorsqu'ils te font quelque chose qui ne se passe pas bien. C'est que. Amen. Acclame le Seigneur Jésus pour la vie de nos enfants. Amen. C'est très important. Amen. Je suis très content. Soyez bénis. Donc, il y a également pour reconnaître une église.
glorieuse, puissante, et que la communion fraternelle règne, il y a aussi l'humilité. Il y a aussi une humilité. Reconnaître tes faiblesses, reconnaître ton statut, il faut simuler, avoir un comportement, avoir la courtoisie, l'humilité. Que l'humilité te caractérise. Amen. Soyez humble, soyez effacé. Amen. Même si vous êtes dehors là, comme vous, tu ne ressens pas, qu'on ne dit pas que c'est elle là qui a perçu. Soyez humble, soyez effacé. Même dans votre foyer, soyez humble. Amen. Soyez effacé. Adressez-vous, c'est-à-dire, adresse-toi à ton frère, pas à ton frère avec courtoisie. Amen. Avec diplomatie. Avec diplomatie. Même si tu veux me demander quelque chose. Amen. Il ne faut pas avoir usé la diplomatie, non. Est-ce que tu vas venir là? Tu t'appelles qui? Myriam. 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 Myriam, dis-moi, Myriam, donne-moi ma chose. Est-ce que c'est comme ça? S'il te plaît, est-ce que, pardon, je peux avoir? Voilà le langage. Diplomatie. Voyez la courtoisie. La diplomatie. C'est ça qu'on vous apprend. S'il te plaît. S'il te plaît, maman, je peux avoir telle chose. S'il te plaît, papa, tu peux prendre telle chose? Ça, non. C'est pas ça. C'est l'humilité. Et ça, ça doit vous caractériser. Et quand ça règne au milieu de dans l'église vivante, vous allez voir le Saint-Esprit va se manifester. Amen. Entre vous, c'est-à-dire, le dialogue là, c'est un dialogue doux. C'est un dialogue pour toi. Amen. Même dans votre foyer, pour ceux qui sont mariés, la courtoisie, le respect, la diplomatie, même vis-à-vis de votre entourage ou vis-à-vis de la société. Amen. La courtoisie. Et quand l'humilité va régner, je vous assure, même les âmes qui vont venir, ils vont penser que l'église est vraiment différente. On voit une jeune église, mais c'est cette église-là, c'est vraiment différente. Aussi là, c'est-à-dire, il y a l'accueil qui règne. Amen. Amen. Quand les autres font bénir, non, il y a quelque chose vraiment d'extraordinaire dans cette église. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Non, Jésus règne ici. Jésus règne ici. Quand on voit le comportement, Jésus règne. Il y a l'accueil, il y a l'hospitalité, il y a l'amour, règne au sein de cette église. Amen. Amen. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur veut que l'église, parce qu'on ne va pas, l'église sera établie. Amen. Il faut donc que ces choses-là règnent au milieu de vous. Amen. L'humilité règne au milieu de vous. Amen. Soyez effacés. Amen. Amen. Soyez effacés. Si on vous éternelle, si un dirigeant peut vous éternelle, évitez le raisonnement ou la justification. Non, non, non. Voilà, parce que. Non, 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 non. Non, non, non. On ne fait pas ça. Vous comprenez? On ne fait pas ça. Soyez humble. Prenez le temps d'écouter. Ça peut arriver, même si vous avez raison. Écoutez d'abord. Écoutez d'abord. C'est votre manière, c'est-à-dire, faites attention d'écouter qui va faire le soin. Comment vous respectez et vous considérez? Mais quand vous apportez un petit problème là, c'est fou. On oublie même qu'on était chrétien. C'est après avoir commis l'acte qu'on se rappelle, ah, moi je suis chrétien. Et c'est pas bon. On commet d'abord l'acte et c'est après qu'on se rappelle que j'étais chrétien. Je suis chrétien. Tu portes le nom des chrétiens et tu joues avec ces noms. Amen. Porter le nom des chrétiens, c'est être humble. Porter le nom des chrétiens, c'est avoir une bonne conduite. Porter le nom des chrétiens, c'est avoir un bon caractère. Et ça va commencer ici à Jérusalem, à côté, à fin de cet an. Amen. Voilà ces choses que les Seigneurs font, qui se sont appliquées.
était dans son église. Amen. L'hospitalité. Quand les personnes vont venir accueillir, donc soyez relaxés. Soyez joyeux, accueillez, recevez-les avec joie. Amen. Ayez prêté une bonne considération de l'amour. Amen. L'homme va se sentir vraiment à l'aise. L'amour est un élément identifiable d'un vrai disciple du Seigneur. L'amour, c'est ce qui est écrit, non? Comment on appelle pour identifier les disciples du Seigneur? Pour les identifier, ce n'est pas l'amour, c'est parce qu'il y a l'amour, parce qu'ils aiment. C'est parce que nous aimons. Il faut que l'hospitalité règne au milieu de nous. Soyez effacés. Ne dites pas que non, c'est moi qui ai fait ça. Non, non, non. C'est moi qui ai fait ça. Non, non, non. On ne fait pas ça. Amen. Même si papy, c'est toi-même qui lave la salle ici, là, tous les dimanches. Hein? Ne dis jamais que non, c'est moi qui fais ça. Tous les jours, c'est moi qui fais ça. N'aime pas le comportement de c'est qui là? C'est Marc ou c'est Marie? C'est Marc, non? Marc aussi aimait le Seigneur. Mais cette fois-ci, ça vient un peu. Amen. Ne dis pas que c'est moi qui ai fait, c'est moi qui ai fait ça. Si c'est toi qui ai fait ça, tu n'as pas fait ça pour un an. Mais pour le Seigneur que tu as fait. Amen. Et sois humble, sois effacé. Même si on t'a dit bon, il faut laver la toilette, la vie est terrible, il faut laver ça. Fais ça bien, honnêtement et correctement. Amen. Yeah. Tu auras ta récompense. Acclame le Seigneur Jésus. C'est ça. C'est ça, l'église. Que la communion fraternelle règne. Soyez effacés. Que tu viens un peu tôt. Comme aujourd'hui, le jour du culte. Tu vois les chaises. Il ne faut pas que, et c'est pas qui va te dire non, ma soeur, commence à disposer les chaises. Tu dois avoir l'esprit de Dieu et tu commences à disposer les chaises. Amen. Tu prends ton mouchoir là. Tu es sûr. Tu es sûr. Tu es sûr. Tu es sûr. Tu fais un chantage. Tu peux même dans ton cœur. Toute personne qui va s'asseoir sur le pénis. Besoin de crier haute voix là. Et puis la personne qui va s'asseoir dans son pays, non, dans ton cœur. Amen. Et ça plaît au Seigneur Jésus. Amen. Tu conseilles qu'il n'y a pas d'eau à boire et d'être, c'est quoi une pointe d'eau? Tu prends un récipient, tu prends la musique. Amen. Et tes chrétiens là, c'est se mettre au service des autres. Amen. De servir les autres. Quand tu te mets au service des autres, tu as de servir le Seigneur. Se servir, se mettre au service, c'est rendre le ministère. C'est rendre le ministère. Les jours de réunion dans la semaine, tu te décourages pas. Non! Je vois que les autres, là, ils ne viennent pas. Ah, je me décourage. Même si tu veux venir, peut-être le jour de prière, tu es venu seul. Personne ne veut venir. Ne rentre pas. Ah, par contre, je n'ai pas vu le dirigeant. Là, moi, je vais partir. Ah, j'attends seulement. Tu es venu, non? Le Saint-Esprit t'a marqué. On ne peut pas se mettre pas. Même s'il n'y a personne, tu pries, tu attends jusqu'à la fin. Après, tu rentres. Amen. C'est très important. Ce sont des choses qui renforcent l'unité, qui renforcent la communion fraternelle. Amen. Qui renforcent la communion fraternelle. Il y a l'hospitalité, qui parle de l'hospitalité. Porter les fardeaux les uns les autres, assister les uns les autres, maintenir la paix. Il y a aussi demeurer ensemble. Amen.
la communion fraternelle, c'est aussi demeurer ensemble. Amen. L'église qui demeure ensemble. Ne dis pas que même je ne viens pas, n'est-ce pas, les autres vont venir. Ah, l'autre aussi de son côté, même si je ne viens pas pour le jour de prière, n'est-ce pas, les autres vont venir. Si un, deux, trois qui disent la même chose, n'est-ce pas, qui va donc venir? Hmm? N'est-ce pas, donc qui va donc venir? Alors, c'est donc une assemblée, c'est notre assemblée. N'abandonnons pas notre assemblée. Amen. L'église de côté, c'est ton église. Ta place est importante. Amen. Amen. Chaque personne ici est importante. Est importante. Tu n'es pas ici en vain. Et ce n'est pas le hasard. Amen. Et tu fais partie des piliers de l'église. Jésus revient de côté. Tout le monde ici est important. Même les enfants. Tout le monde. Le Seigneur vous connaît. Jésus-Christ vous connaît. Amen. Amen. J'aime aussi. Tu dois être le gardien de ton frère. Amen. Amen. Tu dois être le gardien de ton frère. Ce n'est pas seulement le leader que le Seigneur va établir. Et qui vont peut-être voir, non, telle personne n'est pas venue, pourquoi, où on vous appelle. Vous aussi, vous pouvez aussi les appeler, non? Qui a dit, on n'appelle pas son leader, on n'appelle pas son pasteur, son père. Amen. Amen. Vous pouvez aussi venir sur nous, non? C'est pas interdit que vous nous appelez. Amen. Amen. C'est même bien, même que quand je vais appeler, ça dit mon pasteur, je suis content. Je vais seulement entendre sa voix. Wow. Amen. Amen. Je vais simplement attendre ta voix, oh, prophète. Amen. Amen. C'est très important. C'est très important. Ça qui renforce la communion fraternelle. Tu peux arriver que le Seigneur allait dans ton cœur. Amen. Amen. Là, je vais aussi toucher ce point. C'est pas où un kilo de sucre. Amen. Amen. Un kilo de sucre. Tu viens, tu mets ça bien en plastique. Tu viens. Tu veux venir? Parce que je suis là. Tu viens? Amen. 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 Il va prendre ça. Il va prier pour toi. Son âme va te bénir. Amen. Même si c'est un morceau de sang. Amen. Amen. Son âme va te bénir et ça marque. Amen. Ce sont des éléments qui renforcent la communion fraternelle. Amen. Béni. Amen. Ou peut-être le faire, ce n'est pas un don pour l'église. Amen. Ça va dépendre en fonction, peut-être c'est que le Saint-Esprit a mis dans ton cœur pour le faire. Ou peut-être le Seigneur a mis dans ton cœur d'apporter, d'acheter deux chaises, trois chaises ou quatre chaises. Amen. Tu viens, tu soumets ça au serviteur, au dirigeant, au pasteur. Tu soumets. Tu laisses la vie dans ton cœur. Ou peut-être, comme aujourd'hui, non, mais ça nous a beaucoup de faire, c'est pas le payer. Avec le bruit. Non, aujourd'hui, là, quand je viens, il arrive à la fin du culte, là. Et chacun. Amen. N'est-ce pas, quand les gens vont manger, les gens sont rassasiés. Amen. Mais là, on va te bénir. Tu es béni. Amen. Et le nom du Seigneur est glorifié. Vous voyez, il y a des petites choses. Et c'est ça. La pause. L'église. La communion fraternelle. Amen. C'est tous ces colonnes que nous venons de recevoir. Amen. Qui va faire de sorte que l'Église soit unie. L'Église soit bâtie. L'Église soit solide. L'Église doit grandir. Amen. L'Église doit être évoluée, grandir
spirituellement, physiquement. Amen. C'est-à-dire en statut, en effectif. En effectif. C'est très important. Ne laissez pas accès au diable. Amen. Ne laissez pas accès au diable. Et je t'assure que le Seigneur compte sur toi. Le Seigneur compte sur toi. Il veut que son église, que soit une église glorieuse, puissante. Je ne sais pas combien de communautés ici à côté qui prêchent la sainte doctrine comme vous le dites là. Je ne sais pas. Vous savez où il y a ici, vous avez un peu d'idée. Mais je crois que la sainte doctrine est quand même rare. Amen. Est quand même rare. Quand vous détaillez les choses dans le moindre détail, vous voyez donc que la vie chrétienne, c'est autour de nous, c'est les choses touchées du doigt. C'est les touchées du doigt. Les choses palpables que nous vivons au vécu quotidien. Amen. Que nous vivons au vécu quotidien, qui sont autour de nous. Et le Seigneur veut qu'on le mette en pratique. Et si on le met en pratique, le Saint-Esprit va puissamment se manifester au milieu de nous. Amen. L'Église est purifiée, sanctifiée. L'Église est lavée par le sang. Vous êtes pardonné. Et votre maison est également une maison de prière. Amen. Quand je parle de maison, vous voyez. Amen. Mais c'est une maison de prière. Parce que c'est là-bas que ça commence. Amen. Dans vos relations, dans vos rapports avec des personnes, ayez une bonne conduite. Amen. Ça va beaucoup les impacter. Dans vos relations avec vos contemporains, avec vos prochains, ayez une bonne relation. Amen. Ayez un bon langage. Répondez bien aux personnes avec respect, avec courtoisie. Habillez-vous bien. Ne dites pas que non, l'autre là est plus grand que moi, je suis plus grand que lui. Non. Ne dites pas l'autre que pourquoi l'autre, pourquoi pas moi. Non. Amen. Si le Seigneur a fait grâce à l'autre, je ne sais pas où il a béni. Soit ce n'est pas le travail, pas le mariage. En tant que chrétien, qui a l'esprit de Dieu, qu'est-ce que tu dois dire? Si tu as béni l'homme, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, il faut bénir le Seigneur Jésus pour la vie de la personne, pour la Jésus. Que le Seigneur Jésus te bénisse et qui te soutient et qui te lève. Amen. Amen. Qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit à Jésus? Jean-Baptiste a dit quelque chose. Qui a une idée? Il a parlé de Jésus. C'est dans le contexte que nous sommes en train de parler. Oui, réponds. Il faut que son ministère soit que nous le fassions. Amen. Acclame le Seigneur Jésus-Christ pour cette réunion. Jean-Baptiste a dit que moi Jésus-Christ soit élevé, 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 et que moi je sois. Si donc mon frère Dieu l'a béni, ou si dans un cadre peut-être de l'église où le Seigneur l'a placé à faire qu'il soit et que je sois c'est ici le corps d'humilité. L'humilité précède la gloire. La gloire. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. Amen. Il y a tellement de choses. Toutes ces choses, c'est aussi des conseils parfaits. Amen. De la marche d'une église glorieuse et puissante.
sont les conseils techniques que vous êtes en train de recevoir. Amen. Tu as un problème avec quelqu'un, avec ton frère, va vers lui. Amen. Va vers la personne. Si la personne ne t'écoute pas, tu peux appeler un autre frère qui vient vers la personne. Et si deux personnes, la personne n'écoute pas, troisième personne, la personne n'écoute pas, est-ce qu'on peut faire des signaux? Le temps à l'église. Amen. Et tout ça, c'est l'amour, c'est l'amour vrai. Ces choses-là n'auront pas leur place. Parce que l'amour règne. Ce sont ces choses qui doivent nous caractériser. Caractériser les enfants de Dieu. Ça doit nous caractériser. On doit nous remarquer. On doit nous identifier au cœur de ces choses que nous sommes en train de recevoir. Amen. L'Église est puissante. Amen. Je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire par là. Amen. Comme nous allons vous arrêter, Seigneur. Amen. Peut-être par la grâce de Dieu, on aura encore une autre occasion. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse. Amen. Tu vas te lever, tu vas faire cette prière. Tu vas dire, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Merci pour ta parole. Seigneur Jésus. Je suis édifié, je suis instruit sur le rudiment de la sainte doctrine. Seigneur Jésus, je veux être un chrétien, qui a une bonne vie, un chrétien qui a une bonne conduite, un chrétien qui a un bon témoignage, qui a un bon langage, qui a un bon comportement, qui a un bon caractère, un chrétien qui vit une vie de justice, une vie d'intégrité, une vie de sainteté. Seigneur Jésus, tout ce que j'ai reçu aujourd'hui, aide-moi à le mettre en pratique. Aide-moi à le vivre. Aide-moi à les implémenter dans ma vie, dans ma relation avec le monde, avec la société. Seigneur Jésus, que ton église de côté soit une église glorieuse, puissante, que ton église ait une communion fraternelle. Que ton église soit caractérisée par l'amour, par l'humilité, par la compassion, par la bonté, par la maîtrise de soi, par l'hospitalité, par la persévérance continuelle, par le fait de porter les fardeaux les uns les autres, par le fait d'assister les uns les autres, par le fait de maintenir la paix, par le fait de tolérer ensemble, par le fait de se mettre au service des autres, par le fait de chercher l'intérêt de l'autre, par le fait de se rendre visite mutuellement, par le fait de se soucier des autres, par le fait de se rappeler des autres, par le fait d'accepter ton frère ou ta soeur tel qu'il est, par le fait d'être le gardien de ton frère, par le fait de soutenir mon frère dans le moment difficile, dans le moment de trouble,
par le fait de s'encourager mutuellement, de s'encourager mutuellement, de s'exhorter mutuellement, par le fait d'appliquer la sympathie, la sympathie, par le fait d'appliquer la miséricorde, la miséricorde, de se pardonner, de se pardonner réciproquement, réciproquement, par le fait de reconnaître tes faiblesses, de reconnaître ton tort et de s'humilier, par le fait de s'effacer complètement, afin de laisser Jésus-Christ se glorifier dans ta vie, afin que Jésus-Christ règne au milieu de son Église, au milieu de son Église, pour que son Église soit bâtie sur le roc, pour que les piliers, les colonnes qui sont la persévérance dans l'enseignement des apôtres, qui est la sainte doctrine, par la fraction de pain, par les prières, que ces colonnes, que ces piliers soient bâtis, que l'Église de côté soit bâtie sur le roc au nom de Jésus. Que tout vent, que toute tempête, que toute persécution qui vont s'élever contre ton Église, Seigneur, ne puisse pas les prendre, ne puisse pas les prendre au nom de Jésus. Que cette Église soit une Église enracinée, soit une Église fondée sur la parole, et que cette Église vive une vie de prière, vive une vie de prière. Que cette Église soit une Église qui évangélise par leur vie, qui évangélise par leur conduite, qui évangélise par leur comportement, qui évangélise par leur habillement, qui évangélise par leur langage, qui évangélise par leur serviabilité. Que ce soit le partage, que ce soit le partage, pour que ton nom soit glorifié, soit invoqué dans la vie de côté, dans la vie de côté, au nom de Jésus. Qu'on travaille, que beaucoup des hommes, âmes qui sont dehors, puissent venir dans la lumière, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, merci pour ta parole, merci pour l'équipement, merci pour ces ingrédients que tu viens de nous donner, que tu viens de nous donner, que la puissance du Saint-Esprit les met en nous, les met en nous et les amène à l'accomplissement dans notre vie, au nom de Jésus. Merci pour ta parole, merci pour la paix, merci pour la libération, merci pour la joie et la simplicité de cœur que tu nous donnes, que toute la gloire, que tout l'honneur te revienne au nom de Jésus. Je prie. Amen. Acclame très très fort. Seigneur Jésus. Acclame. La famille de Juda. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Pour la joie, pour la parole que tu viens de recevoir. C'est une joie. C'est pourquoi tu acclames le Seigneur avec les cris de joie, avec les acclamations, avec le coup de joie, avec les acclamations. Jésus-Christ est béni. Jésus-Christ est béni. Soyez bénis au nom de Jésus.